Salut à tous, c'est Calypso. Aujourd'hui, on se retrouve sur MXGP2. Ça va faire plaisir, le petit retour sur le jeu de motocross. Mais avant ça, j'ai un message à vous faire passer qui me tient à cœur. Pourquoi il n'y a pas eu vraiment beaucoup de vidéos au cours des derniers mois? Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais avant ça, je tiens quand même à vous dire que je vous explique pas tout ça pour me faire plaindre ni quoi que ce soit. C'est vraiment pas du tout mon genre. Pendant des années, je n'ai jamais fait une vidéo où je me plaignais. Là, c'est vraiment par simple explication et pour vous tenir au courant pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. Je trouve ça normal de vous expliquer. Les jeux vidéo me donnaient plus autant de plaisir qu'avant. Après la période GTA, on a eu une grosse baisse de plaisir, tout simplement, moi et mes coéquipiers. Et depuis quelques semaines, personnellement, moi, c'est revenu le plaisir de jouer aux jeux vidéo, donc c'est l'ancien temps, tout simplement. Je vous ai aussi dit, avant de partir à Los Angeles pour le 3, que j'allais reprendre pas mal les vidéos et que j'allais vous poster 2 à 3 vidéos par semaine, plus une par semaine sur Calypso en vrai. J'ai pas tenu mon planning. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout simplement. En fait, depuis 2 ou 3 mois, j'ai pas mal de problèmes qui s'enchaînent. À chaque fois que j'en règle un, en gros, il y en a 2 qui reviennent. C'est des périodes comme ça dans la vie, on n'est pas toujours heureux à 100%. Et là, c'est la période que je traverse actuellement. Et bien sûr, j'en ai conscience, si j'en suis là aujourd'hui, c'est tout simplement grâce à vous. Entre guillemets, vous êtes ma deuxième famille. Eh bien, je me dois de vous donner des explications, tout simplement. Et que vous ne vous inquiétiez pas, parce que tout ça est en train de se régler gentiment. Et avant de commencer la vidéo aussi, je tenais à vous dire, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits commentaires sur les vidéos. Ça motive et ça fait vraiment du bien et ça rebooste quand on n'a pas trop le moral. Parce qu'on est youtubeur, c'est vrai, mais on est avant tout des humains et ça, faut pas l'oublier. Donc quand on est youtubeur, on n'est pas toujours heureux. Les stars ne sont pas toujours heureux. Les politiciens ne sont pas toujours heureux. Enfin bref, vous m'avez compris. Maintenant, on arrête la déprime, on est là pour rigoler. Donc, c'est parti! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va pas continuer notre championnat, mais on va faire un voire 2 grands prix en vue première personne. Et vous allez voir, ça change complètement le jeu et c'est vraiment super difficile. On est en difficulté pro et les bots sont en mode difficile. Ça va être très très dur. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Oh oui, c'est bon, on a déjà un bon démarrage. Hop là, on se met en première personne. Oh putain de merde. Pour l'instant, on a un très bon départ. Oh. Non, non, non. Oh putain, je sais pas ce que j'ai fait. Ce qui est difficile en première personne, c'est que tu vois pas ce que ton personnage fait. En gros, c'est comme une vidéo YouTube, sauf que quand tu pilotes, en vrai, bah t'as pas besoin d'avoir de caméra derrière toi pour savoir ce que tu fais. Et là, tu vois pas ce que ton perso fait, donc c'est compliqué. C'est vraiment compliqué et faut vraiment anticiper, etc. Faut bien connaître le jeu parce que... Wouhou, faut savoir quelle position a ton perso dans les airs sans le voir. Pour moi, c'est encore très difficile et je me fais gratter, les gars. Qu'est-ce que vous faites, là? Respectez Kali, il est en vidéo, putain. Vous êtes relou à chaque fois, les gars. Eh, hop. Attention, on va prendre l'intérieur. Ouh là, c'était très intérieur, tout ça. Hop là, on est repassé 5e. Va falloir être endurant, les gars. Oh, putain, on est dans la roue de l'autre. On est 3e. On est 3e, c'est bien. Hop là, on va essayer... Voilà, bien joué. Oh, 2e. 2e, les gars. Mais putain, on va passer premier. On va passer premier si on gère bien ce virage. Comme ça actuellement. Oui. Allez, en plus on prend bien les wipes, magnifique. Oh, je le fais dans le mauvais... Oh, et c'est pas les wipes, c'est les whoops, désolé. Par contre, j'ai fait mon wipe comme une merde. Et j'ai failli m'exploser la gueule. Attention, on va pas trop loin. Wow. Désolé, madame. J'ai failli lui arracher la tête, au pauvre. J'ai dit que j'utilisais pas de rewind, j'utilise pas de rewind. Ok, c'est parti. Le but... Wow. Putain, je me suis complètement déconcentré. Allez. C'est pas grave, c'est pour mettre un petit peu de piment dans la vidéo, hein. Sinon, c'est pas drôle si on reste tout le temps premier, hein. Ouais, c'est une excuse. C'est une excuse, je sais. Mais elle est valable. Regardez ça. Wow. T'as l'impression que tu vas tomber, c'est horrible. Oh, allez. Et c'est parti. Attention, Romain Fèvre, j'arrive derrière toi et je te dépasse, vieille merde. Et ton copain Vilopoto aussi. Vilopoto. On passe 4e, peut-être. Grosse pute. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Là, c'est le bot qui m'a fait tomber. Et attention, il va me refaire tomber, peut-être. Je sais pas du tout où il est. Quand on est en première personne, c'est horrible. J'ai utilisé Carry Wine. Ça va, hein, ça va, ok. On en utilisera pas plus. Même si je tombe, tant pis. Ah, je vous ai vu gueuler dans les commentaires. Je vous ai vu gueuler. Game Tour, et d'utiliser Rewind, espèce de gros plot. Ok, je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Wow. Là, c'est mauvais signe. Wow. Putain, je fais n'importe quoi. Oh, la conduite, n'importe quoi. Wow.
tu passes ton permis moto comme ça, tu peux être sûr d'être calé automatiquement. Wouah, j'arrive trop vite. Oh, vous avez vu la vitesse que j'ai pris de virage? Regardez comment je les ai rattrapés. Oh là là, j'aurais mis la poune là sur ce virage. Et j'ai vraiment eu peur. J'ai eu peur pour ma vie, j'ai eu un gros stress. Hop là, on passe premier. Cali is on fire. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, là on est vraiment dans la merde. On est au troisième tour, on arrive à la fin du troisième tour tout simplement. Et on s'est fait passer devant par tous ces enfoirés de merde. J'ai le seum. Les trajectoires quand t'es en première personne, c'est trop dur à gérer, je vous jure, c'est horrible. C'est un casse-tête chinois. Tu te demandes. Oh, et tiens, tu vois, c'est horrible. Tiens, j'ai même pas du tout été vers la droite. Elle m'a envoyé vers la droite, la moto de merde là. Wouhou. Ouais, je me venge sur le matériel, comme d'habitude, hein. Dès que ça marche pas, on se venge sur le matériel. On est sixième, il reste un tour et demi à peu près. Oh putain, on a failli voler. On a failli voler de l'autre côté, les gars. C'était hardcore. Allez, ce virage-là, on sait le prendre, on a dit. Putain, bon, bah là, le top 3 est loin. Le top 3 est loin, je vais pas vous mentir. Il est pas inaccessible. Putain. Peut-être que là, il commence à être un petit peu plus loin que prévu. Là, je vous avoue que je suis plus très confiant. Allez, on a encore un tour pour faire la diff, les gars. Si on fait pas d'erreur, je fais n'importe quoi. Putain. Ah bah, il fait moins son mariole quand il a pas de rewind de Calypso, hein. Wow. Oh. Je vais me suicider. Faut au moins qu'on finisse dans le top 10 du coup. Au moins la moitié. La moyenne, les gars, la moyenne. Au bac, t'as pas besoin d'avoir 20 pour l'avoir. Donc là, on va faire la même chose. Wouhou. Oh, mais qu'est-ce que tu me fais toi derrière? Putain, il est malade lui. Je roule sur le dos, il fait pareil. Hop là, attention. Oh, c'est dangereux ce que tu fais, c'est dangereux. Non, mais sérieux, t'es relou. Putain. Ça par contre, il casse les couilles le jeu à faire ça. Oh putain, le poteau. Putain, on est 8ème. Fait chier à cause d'erreurs de merde. Des erreurs dégueulasses. Tout ça parce que je vois pas mon perso. Hop. C'est la fin. Et ça finit sur une 8ème place plutôt décevante. Vous le voyez sur mon visage. Je le sais. À gauche, je jouerai en première personne. Et à droite, je jouerai à la 3ème personne tout simplement. Troupique-nidouille, c'est toi que je vais choisir au bout de 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ok, troisième personne. Mais c'est pas moi qui l'a choisi, les gars, c'est le Troupique-nidouille. Et ça, c'est le genre de truc que tu peux pas contester. Oh là là. Là, tu sais pas où tu mets les pieds, clairement. On va pouvoir comparer mon niveau en première personne et mon niveau en troisième personne. Par contre, j'ai vraiment le seum si je me casse la gueule dès le début et que je finis dans les 15e. Et là, vous aurez le droit de m'insulter dans les commentaires. Honnêtement, je dirais rien. Ok, démarrage de merde. Mais on a vu pire. On va essayer de prendre l'extérieur sans se faire péter la gueule par les autres cons. On est... Oh. Ah, le rewind est dans le doigt. Pas peur, moi j'ai pas peur. Je vais vous tracer, bande de cons! Oh putain, et c'est pas très conventionnel ma conduite, c'est pas très conventionnel du tout. Tiens quand même à vous le dire aussi, ça fait à peu près un mois et demi que j'ai pas joué au jeu, hein, donc c'est vrai que... Putain! C'était cadeau. Celui-ci, c'est le virage à Cali, c'est le virage à Cali. Putain. Ok, on est on fire, on prend des places gentiment mais sûrement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Eh oui monsieur, oh! Putain, et ce virage-là, j'ai vraiment du mal, hein. À chaque fois. Par contre, lui, faut pas que je loupe. Ouais, là, j'étais plus prudent sur ce coup-là. Je voulais pas me fail comme d'habitude. À vouloir prendre de l'avance sur les endroits que je connais, et bah, j'en perds au final parce que j'essaye d'aller trop vite dessus. Et donc là, je préfère la jouer safe. On va passer 6ème peut-être devant Bobby. Là, j'aime bien passer juste à droite comme ça, là. Et voilà, on en gratte 2, c'est beau, ça. Cali veut finir premier. Hop là, on ralentit là. Attention Cali, c'est dangereux ces virages là, tu le sais. Là je fais durer le suspense en fait. Wow. Ouais bon bah ça, j'ai fait un peu trop durer le suspense. J'utilise un rewind, un seul, ok. Non mais c'est parce que là j'étais trop bien parti pour niquer toute ma série comme ça. Tant qu'on n'est pas tombé, qu'on n'a pas utilisé de rewind. Clin d'œil. Pas d'erreur sur ce virage, hop, voilà. Gagne du temps, c'est bien, magnifique. N'oubliez pas hein, je suis en difficulté pro. Et les bots sont difficiles donc. On a pas mal augmenté la difficulté par rapport à la dernière fois. Et je suis plutôt content de moi. Wouhou, c'était loupé ça. Mais
Mais on passe devant. On est deuxième. Et là, regardez sur ce virage-là. Oui, on le négocie à chaque fois super bien. Dégage. Lui, il va me pousser. Allez, allez. Wouh. Yes. On est passé premier, les gars. On est passé premier. On a 1 minute 40 d'avance. Pas dégueu. 1 minute 40. Le mec est trop confiant. Trop sûr de lui, tu sais quoi. On a 1 seconde 40 d'avance. Ah, parce qu'à 1 minute 40, on serait on fire. Wouhou. On aurait mis 99 tours à peu près. Wow. Ah, c'est bien. On se concentre. En plus, on fait pas d'erreur depuis tout à l'heure. À chaque fois que je dis ça, généralement, je fais une erreur. Donc, je retire ce que je viens de dire. Excusez-moi, monsieur le jeu. Ok. Mais pour l'instant, je pense qu'on est bien. Il nous reste un tour après celui-là. Yéhi. J'ai pas peur. Oh non, la mauvaise idée de faire un wipe ici. Calypso, n'essaye pas d'impressionner la foule, tu le sais très bien. Attention, ce virage-là, il est cruel des fois. Il est cruel. Tu te dis, ouais, c'est bon, je vais le prendre à pleine vitesse. Et finalement, ah bah non, c'était les grillages. Allez, attention, on finit premier. Voilà. Alors, je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'ai dit, je vous mentais pas que je finissais premier d'habitude. Et j'avais dit que j'avais 15 secondes d'avance, ou 13, je sais plus. Et là, j'en ai 11. Est-ce que je suis un menteur? Je suis pas un menteur. Merci. Vraiment motivé aujourd'hui. Je vais vous refaire une petite course en première personne. Cette fois-ci, on va se mettre... On va se mettre avec une autre moto. Ouais, celle-ci, la Red Bull. Ah, là, y a pas à dire. Y a pas à dire. Et on va juste changer de circuit par contre, hein, parce qu'on va pas faire 3000 fois le même. Ça risque d'être un peu chiant pour vous. Moi, ça me dérange pas du tout, mais je pense que pour vous, ça risque d'être relou. On est chaud, dernière course. Première personne, on est avec la petite KTM 450. On va voir ce que ça donne. J'ai pas compté, putain, merde. Oh oui. Oh, je suis super bien parti alors que j'avais pas compté le décompte. Ouais, me pousse pas, me commencez pas, les gars. On est pas au NASCAR. Vous êtes relou, hein. Oh putain, c'est tellement intense comme ça, c'est horrible. Wouhou. Bah non, c'est pas horrible, c'est épique, c'est énorme. Y a pas de mots, c'est trop bien. 8ème, on est bien. Oh, je suis parti en couille. Oh, par-dessus le panneau. Oh putain, on a failli en prendre un pleine tête juste en face. Attention, ça glisse. Oh putain, regardez, mais c'est trop chaud. Regardez la vitesse que ça va. Quand on a plein de sauts en virage et tout. Oh, c'est trop hardcore. Allez, c'est bien ça. On est quatrième. Sans rewind pour l'instant en plus. Oh putain, j'ai failli m'exploser la gueule. Oh, c'était tellement hardcore là sur ce virage là, vous imaginez même pas. Oh, ça chasse du cul. C'est ça, on est deuxième. Oh, freine fort mon Cali. Oh, putain, c'est tellement chaud. Je peux même plus commenter les gars. C'est trop chaud. Oh la vache, je suis premier, c'est la première fois en difficile. J'ai utilisé un rewind. Ouais, la victoire avant l'honneur quand même. Même si l'un ne va pas sans l'autre. Oh. Oh. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai quand même tenté le wipe en me cassant la gueule, hein. Putain, complètement con. Ok, on est bien. Oh, ils sont juste là. Ils sont juste là, les enfoirés. Oh. Le wipe qui passe. Par contre, on est super large là. Non, mais non. Mec, je suis sur la piste. Qu'est-ce que tu racontes? Mais ouais, je suis vénère. Eh, je vais le revendre. Mec, il revend un jeu parce qu'il se fait virer de la piste. Trop susceptible. Allez, on veut le podium. On s'est fait voler la victoire, mais pas le podium. Non, allez. Ah, ça glisse. Allez, laisse-moi le podium. Enculé, il va pas me le laisser, je suis deg. Oh. Attention, je sais pas du tout ce qui s'est... Oh, mais nique ta race. Putain, il manquait 2 mètres pour gagner. Je suis dégoûté. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un gros like sur la vidéo si vous voulez d'autres vidéos sur MXGP ou tout simplement sur des vidéos de motocross. On continuera donc la série s'il y a à peu près 3 ou 4 000 likes. Si c'est pas le cas, eh bien, soit on arrête, soit on reprendra d'ici un peu plus de temps. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et salut tout le monde.